Let's go. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Quentin Adam et j'ai un pseudo imprononçable sur Twitter. Toute impression de déjà vu. Du coup, je vais peut-être passer l'intro de Clever. Ça, c'est le boulot que je fais au quotidien, c'est super cool. Notre boulot est de conserver vos applications en ligne. Globalement, nous, on considère que le boulot du développeur s'arrête à Gitpush. Donc vous, Gitpushez, nous, on manage le fait que ça tourne. Enfin, quand je dis nous, on manage le fait que ça tourne, bien sûr, c'est des bots hein, qui managent le fait que ça tourne. Hein. On a autre chose à faire que de déployer des applications. Enfin, moi, honnêtement, j'ai jamais trop compris les centres de service ops, vous savez, où les mecs, ils reçoivent un mail qui leur dit tel service est tombé de la part du monitoring. Là, ils ouvrent une doc écrite en Word et c'est marqué quelque part dans la doc si erreur 408 se produire, alors faire ça. Et là, ils copient-collent et collent dans un shell le machin. C'est mal en général. Et peut-être que juste la doc est pas à jour aussi. Oui, avec les caractères Word, en général, ça met de l'ambiance, quoi. Moi, j'avoue que je comprends pas ce délire, en fait, parce que c'est hyper dégradant comme job, enfin, si on y réfléchit bien. Et c'est complètement le boulot d'un programme, en fait. If this, then that, quoi, genre, pourquoi on demande à un mec de le faire, du coup, bref. C'est le truc que j'ai jamais compris. Donc, nous, on a codé des bots qui le font, ouais, parce que je l'ai pas dit ce matin. Et du coup, comme c'est génial, on a des clients partout, on a appris à faire des bons designs, des good designs, des bad designs. Au-delà de la blague, on a vraiment une forte capacité à voir quels sont les projets qui vont très mal se passer. En général, c'est toujours le même pattern. Et en général, tu le sens sur le support, à la tension aussi dans les messages. Tu sens que les mecs, ils sont tendus dans tous les messages. Et là, tu sens que le projet est en douleur, quoi. Ok. Parlons deux minutes de scalabilité. Donc, ok, on se dit qu'on a un applicatif, on a besoin de scaler. Et là, il y a deux solutions quand on fait de la scalabilité. La première chose, c'est qu'on n'a qu'un seul node. Et donc, on fait grossir le truc. Encore et encore, on appelle ça l'upscale. Bon, il y a un moment où ça devient bizarre. Puis vous savez, c'est la fameuse histoire du mec qui me dit « Mais c'est génial, j'ai une base de données d'un tera 5 en MySQL. » Bon, du coup, comme on a des gros problèmes de perf, vu qu'on fait de la recherche statistique dedans, ce qu'on fait, c'est qu'on colle tout dans la RAM. Est-ce que tu aurais une bécane d'un tera 5 de RAM? Pas de problème, cher ami. T'es conscient que ça va pas être gratuit. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Bon, par contre, t'es conscient qu'au moment où ta base va doubler, qu'on sera à 3 terrains, enfin 3 terrains de RAM dans la même machine, ça commence à devenir chiant à trouver. Enfin, faut que j'appelle les constructeurs, j'ai 60 jours de délai de livraison, enfin, t'es sûr que tu veux pas refactoriser, quoi. Donc c'est le fameux growing and growing until you exploit. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de faire une team qui va bosser tout ensemble, ce qu'on peut appeler la clusterisation, etc. Alors, bien évidemment, les gens... Alors, c'est un truc, je trouve ça très bizarre. Les gens se disent, on va bosser en team. Ils te lancent un cluster Elasticsearch où tous les nœuds font que 2 gigas de RAM. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, tu peux faire une team de gros serveurs. Enfin, c'est l'intérêt du truc, en fait. On n'a jamais dit qu'il fallait avoir des drones minuscules. La clusterisation, ça passe par des grosses machines aussi. C'est juste que c'est des grosses machines qui bossent ensemble. J'adore cette image. Le détail du mec sur la fin qui se... Et du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est le scale-out. Le scale-out, c'est donc cette multiplication d'instances. Et en fait, si on essaye de donner ce parallèle de scale-out, c'est créer des unités parallèles de travail. Donc, créer des unités parallèles de travail, ça marche dans le cas de la clusterisation, ce qu'on vient d'évoquer, mais ça marche également, si on y réfléchit bien, dans le cas du CPU. Aujourd'hui, vous n'avez plus des CPU monothreadés, vous avez des CPU multicore. Et ce CPU multicore, pendant longtemps, la décision a été comment on gère ce point du CPU multicore. Après, il y a la notion de clustering. La notion de clustering et la notion de consensus dans un clustering. En ce moment, par exemple, il se passe un truc vraiment très très drôle. C'est si je dis Raft et qui connaît le terme Raft? Ok, cool. Qui connaît le terme pas? Oh merde, je passe mon temps. Quoi? Non, l'autre protocole, Paxos. Ok. Quand vous faites de la clusterisation,
vous êtes obligé à un moment d'obtenir ce qu'on appelle un consensus entre les, entre les nœuds, pour que tout le monde soit d'accord avec ce qui se passe. Quand on parle de protocole de consensus, il y a les gens qui font tout tout seuls, comme des grands garçons. Donc en général, ces gens-là réinventent la roue, alors des fois positivement, des fois mal, et ils redécouvrent un certain nombre de bugs. C'est typiquement Redis Cluster, avec le fameux algorithme du Redlock, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde utilise Redis, Redis Cluster un peu moins. Quoi. Tout le monde est encore là, oui, est-ce que c'est réellement safe, tout ça. Et il y a deux grands protocoles théoriques bien pensés. Il y en a un qui s'appelle Paxos, dont l'implémentation de référence est Zookeeper. Zookeeper, là, ça parle tout de suite un peu plus à tout le monde, Hadoop, tout ça, la galaxie Apache de la Big Data. Et le deuxième, qui s'appelle Raft, qui n'avait pas franchement d'implémentation de référence, et qui est en train de devenir, comme de par magie, l'implémentation de référence de toutes les nouvelles BDD ou systèmes de consensus écrits en Go, parce qu'il y a un mec qui a écrit GoRaft, donc il faut savoir que l'implémentation de GoRaft est trouée de partout, et surtout c'est pas parce que tu ajoutes une dépendance à ton projet que tu sais faire de l'algorithme distribué. L'algorithme distribué, c'est compliqué. C'est très compliqué, je vous invite à aller lire un blog qui est très intéressant, qui s'appelle Call Me Maybe, un mec qui s'appelle Afir et qui a écrit un framework de test des systèmes distribués qui s'appelle Jepsen. Donc le but de Jepsen est de foutre n'importe quel système distribué sous l'eau et de le tuer. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, il arrive pour chacun. Enfin, Jepsen finit toujours par tuer le système distribué auquel il s'attaque. La question n'est pas de savoir s'il tuera le système distribué, la question est comment il le tuera, pourquoi est-ce qu'il y aura corruption de données. Et après, vous avez un certain nombre de technologies qui sont review par Afir avec Jepsen, et en général, c'est très très intéressant. Je me demande quand est-ce que Afir va tomber sur les mecs de GoRaft, en fait, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, toute la nouvelle génération des trucs de consensus, là, en fait, derrière, parce que vous avez les mecs de Docker Swarm, Kubernetes, Rancher, tout ça, les mecs se fightent tous pour dire genre on est les meilleurs. Mais en fait, tout ça, ça repose sur GoRaft. Donc en fait, tout ça, le consensus, c'est le même, en fait, c'est le même engine. C'est comme les mecs qui t'expliquent que les containers sont différents. Non, c'est à chaque fois, c'est le kernel Linux à la fin. Donc, en fait, c'est des mecs qui utilisent toujours le même engine et qui leur repackage de façon différente. Alors parfois dans le packaging il y a des trucs brillants, hein. Je suis pas là pour cracher dans la soupe, mais voilà, tout ce qui est etcd, influx data, tous ces trucs là en fait reposent sur GoRaft, sauf etcd, ils ont décidé de quitter GoRaft, ils ont refait leur implémentation, mais voilà, ça peut être un point intéressant. Donc c'était une parenthèse foisonnante de ma part sur le clustering. Quand on fait du clustering, on utilise des algorithmes de consensus, et les algorithmes de consensus, vous en avez deux à connaître, qui sont Paxos et Raft. Paxos est globalement très battle tested. Alors après, j'ai pas dit que coder du Zookeeper c'était le pied, hein. C'est très très infernal comme API, ça donne mal à la tête, et personnellement je suis pas ingénieur en système distribué et j'y connais que dalle comparé à des gens qui connaissent réellement des choses, mais on sait très bien comment Zookeeper plante. C'est-à-dire qu'on a une très bonne histoire de comment ça merde. GoRaft c'est encore un petit peu plus expérimental, dirons-nous. Mais voilà, quand vous faites du système distribué, intéressez-vous à ça. Et encore une fois, le travail fait par Afir sur Call Me Maybe est intéressant. Pour ceux qui sont debout, si vous voulez, vous avez des places là. Et ensuite, si on part, donc, je vous ai parlé du CPU, je vous ai parlé du clustering, et on peut même imaginer prendre les choses à un niveau encore supérieur, qui est le microservice, où pour le coup, on distribue pas juste les work units semblable, mais on va essayer de distribuer le travail au global à faire de l'application entre plusieurs choses, ce qui fait de la communication interprocessus et interapplicative un petit peu compliqué, voilà. Et du coup, tout le point de débat là-dessus, ça va être la synchronisation des accès à la data par les différents acteurs qui utilisent cette data. Et du coup, ce qui est important, c'est la data management. Alors, quand on parle de data management, l'idée est de dire que si la data est mutable, La chose qui vient juste derrière le fait que le point d'accès à la donnée est mutable, c'est qu'on doit savoir dans quel ordre on accède à la donnée, on doit avoir un ordre d'accès à la donnée, on peut pas permettre aux gens d'accéder en même temps. C'est la fameuse histoire de « je dois mettre à jour une donnée », tout le monde veut mettre à jour en même temps la donnée, il prend la donnée, il la met à jour, il la repousse. Oui, sauf que s'il y en a deux qui prennent la donnée, lui la repousse, bah, les modifications de celui-ci ont été écrasées. Donc c'est le point problématique de qui accède la donnée à un mutable state. Du coup, ça crée un bottleneck d'accès qui peut générer, et c'est souvent le cas des applications qui n'ont pas été pensées pour le multithreading au démarrage, c'est génial, sauf qu'en fait, il n'y en a qu'un seul qui bosse.
Donc vous avez un cœur qui part à 100% et qui se déchire, et les autres qui branlent rien. Monothreading. Mais note bien, tu as résolu plein de problèmes d'accès concurrentiel. Hein. Tu t'appelles Node.js, tu sais que ça va être la catastrophe, tu fais tout en monothreading, t'es bon. Mais à la fin, effectivement, on en est là. Et donc cette idée de faire travailler tout le monde, le talk est assez expérimental, hein, donc vous n'hésitez pas à poser des questions pendant, parce que ça peut partir assez loin. On va essayer de considérer toute chose comme des data box à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que des moments, je vais vous parler du code, à d'autres moments, je vais vous parler d'une machine qui fait des opérations, donc on peut les considérer comme une VM. Des fois, je vais vous parler de cellules en base de données, mais l'idée est de considérer l'ensemble des choses comme des patterns de haut niveau et de travailler dessus. Je m'explique. Si vous avez un état mutable d'une variable ou d'une machine virtuelle qui du coup va avoir des choses installées, mises à jour, whatever dessus, vous avez une histoire. Alors, la première chose, c'est que une variable, elle peut être en train d'être lue, elle peut être en train d'être updatée à une nouvelle valeur de l'histoire, elle peut être valeur à nothing, ou elle peut être loquée par un éditeur qui est lui-même une variable d'accès, qui elle-même a son état mutable. Vous comprenez ce que je veux dire ou c'est pas clair du tout ce que je dis? Donc vous avez une histoire d'accès. Donc la question, est-ce que la donnée est readable à ce moment-là et quelle est la version de la donnée que je suis en train de lire est une version complètement pertinente parce que c'est une vraie question parce que je sais jamais ce à quoi j'accède en fait. L'idée est de dire si je fixe l'état de la data, c'est une jolie phrase avec un faux ami ça en anglais ce que j'ai fait là. Si je fixe dans le temps l'état de la data pour assurer son accessibilité, je me simplifie vachement la vie parce qu'en fait si ma data n'est pas mutable, bah j'ai deux états possibles, ma donnée est définie ou non définie. C'est tout. Si elle est définie, je peux la lire. De toute façon, je peux pas la mettre à jour, elle est immutable. Donc voilà. Si elle est non définie, je peux savoir qu'elle est non définie. Mais du coup, la possibilité à prédire ce que je vais trouver dans ma case mémoire est extrêmement simple, puisque j'ai deux états possibles. Du coup, la data est un état immutable dans ma case mémoire, ce qui me permet de supprimer l'histoire. Alors, la suppression de l'histoire est un concept assez important, en fait. Si j'écris l'histoire, ça veut dire qu'il y a un endroit où je me branche pour connaître l'histoire. Et donc je ne connais qu'un des états de l'histoire. Ça veut dire un autre truc. Ça veut dire que si je veux reproduire, il me faut la totalité de l'histoire. Donc il faut que j'enregistre l'histoire. Et donc il me faut des historiens et des chroniqueurs. En clair, des trucs qui sont en train de regarder mon système et qui notent tout. En pensant qu'à chaque fois que je vais reproduire quelque chose, ce sera la même chose. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Si je fais apt-get-update sur un système d'exploitation, je peux avoir fait apt-get-update deux fois, à des jours différents, ça n'aura pas le même effet. Parce que comme j'interagis avec un système qui est le reste du monde sur lequel je n'ai aucun contrôle, en fait mon apt-get-update peut avoir des effets complètement différents et variables. Puisque je vais chercher de la donnée dans les dépôts. Essayons maintenant de se donner l'idée de comment on va gérer ça pour de la collection. Donc vous avez des tableaux et vous voulez itérer et travailler sur de la donnée qui est dans des tableaux. Ok ? L'itération traditionnelle, ça va être, vous avez un tableau, vous avez un index qui vaut 0. Pour chaque clé à l'intérieur de ça, donc là en plus je vous ai fait du joli Go. J'étais chaud ce jour-là, j'ai fait du Go. Pour chaque clé, je vais parcourir, je vais altérer mon index et du coup je vais écrire. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que si je veux faire les opérations de façon concurrente, c'est pas possible puisque comme la sélection de ma clé est liée directement en fait à une variable qui s'update et qui elle a un état mutable, je ne peux pas paralléliser ce traitement. Ce traitement, je suis obligé de le faire de façon linéaire. On est d'accord ? Il y a un deuxième truc, c'est que si quelqu'un décide de fuck around avec la valeur index, potentiellement il peut foutre tout en vrac. Puisque là, ma valeur index me sert de compteur. Alors que, dans le cas du functional programming, où on fait beaucoup d'immutables, imaginons que j'ai un tableau, je dis que je le map, et là je donne sa formule qui est tu prends x et tu fais x fois 2. J'ai rien modifié, j'ai uniquement donné la formule. Donc,
comme c'est immutable, j'avais une première liste, je vais créer un clone de cette liste en passant par cette fonction-là. Fondamentalement, vu que pour tout élément du tableau, je vais faire x fois 2, je peux le faire distribuer sur 16 corps, ça ne changera rien à ma vie. Puisque du coup, il n'y a pas de relation entre les différentes opérations, chaque opération est atomique, je peux les distribuer. C'est clair cette histoire-là ou... Par contre, du coup, je crée des copies éphémères en permanence. Alors, la copie éphémère, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans plein de cas. Vous pouvez faire des collections immutables en Java 8 avec les lambdas. Et c'est fondamentalement pour ça qu'existent les lambdas. Là, par exemple, vous avez un truc qui génère un stream. Ouais, on voit ma souris là. Ouais. Donc, vous avez un truc qui génère un stream. Là-dessus, on va filtrer. Filtrer, c'est en fait à chaque fois qu'on va utiliser filter, on va lui filer une fonction qui va renvoyer true false. Si c'est true, il garde. Si c'est false, il dégage. Donc c'est hyper simple. Pareil, ça se distribue. On va mapper. Ou là, on va rentrer à l'intérieur du truc. Et pour finir, on va collecter. Donc là, c'est globalement la mise en forme finale. Avec ce qui était bon, ce qui était faux, il nettoie les collections, enfin les trucs qui étaient optionnels, etc. Et donc du coup, ce que j'ai là n'est jamais qu'une liste complètement non modifiable. Et je suis peinard en fait avec ça. Je ne peux pas avoir accédé ma donnée de façon concurrentielle, puisque je peux y accéder de façon concurrentielle puisque je n'ai pas de possibilité de réécrire sur moi-même l'histoire. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce truc-là? Ok, cool. Ce qui est cool, c'est que ça vous permet d'avoir des scénarios déterminés, car extrêmement courts. La deuxième chose qui est cool, c'est que c'était extrêmement difficile à faire à un moment parce qu'on avait peu d'espace. Créer des copies éphémères en permanence, c'était très chiant quand vous aviez peu de RAM ou peu de registres CPU. Mais maintenant, de la RAM, la RAM, ça coûte plus rien, quoi. On peut mettre de la RAM, on s'en fout. Moi, je me souviens, il y avait un langage qui faisait ça, qui était un langage développé par le CNRS, qui était hyper drôle, qui était complètement prototypal comme JavaScript et qui débouclait tout et qui en fait ouvrait en fait à l'intérieur des boucles, débouclait tout pour être capable de comprendre toutes les itérations et vous faire le truc. Et à l'époque, on était tous là, oui, mais tu comprends, c'est super chiant, le truc bouffe 8 gigas de RAM pendant les compiles, on est obligé de le lancer sur des clusters de compilation. Bah, effectivement, à l'époque, on avait 512 mégas de RAM dans notre machine, c'était le bout du monde, quoi. Mais aujourd'hui, 8 gigas de RAM, normalement, vous les avez sur votre laptop. Enfin, moi, j'en ai 16 et je veux plus descendre en dessous, quoi. Ça coûte plus rien, la RAM. Ça, c'est hyper important. Parce que du coup, il y a des choses qui ont été rendues possibles dans Rust, notamment, parce qu'à LLVM, on peut lui dire, non, mais vas-y, déboucle toutes les boucles, déroule bien le tout, charge tout en RAM, on verra plus tard, et à la fin, on nettoie la situation, et on peut lui faire bouffer de la RAM aujourd'hui. Faut être clair, hein, l'apparition de l'espace de RAM nous aide dans ce cas-là. Pour que ça fonctionne, il faut être extrêmement clair entre le splitting des process et du storage. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas où les gens essayent de mettre du storage à l'intérieur de leur process. Je m'explique. Les sessions, c'est de la data. Mais les événements sont de la data. Imaginons que je tiens un e-commerce, ok? Je fais une commande et j'achète un truc. À ce moment-là, je veux créer une facture PDF, envoyer un ordre au transporteur, incrémenter le compte de fidélité de mon utilisateur, faire le push de la data dans les données de BI de l'entreprise et je sais pas quelle connerie, mais c'est déjà bien suffisant. Décrémenter mes stocks, ouais, par exemple, ça peut être intéressant, dire que j'ai moins un truc en stock. Vous avez deux solutions pour le faire, soit dans votre code vous allez tout faire séquentiellement, ça va prendre méga blind de temps, vous êtes obligé d'implémenter tout le truc dans le même langage et c'est la merde, soit vous allez créer un événement, l'événement il va être diffusé dans un message broker, et à partir de ce moment-là, l'événement, il y a une commande, est une donnée. Et au lieu de traiter cet événement de façon synchronous, dans une grande fonction qui va tout faire, vous émettez juste l'événement et chacun va aller récupérer l'événement et en faire ce qu'il veut. Donc c'est ça qu'on appelle la data qualification. La data qualification, c'est vraiment essayer de vous dire en permanence qu'est-ce qui est de la donnée et où est-ce que je suis en train de faire de la rétention de la donnée à l'intérieur de mon process de code alors que je devrais livrer la donnée au reste. Et surtout, l'idée va toujours être de dire... J'ai de la donnée,
j'explique quel est le process que je fais sur la donnée, mais je le fais pas nécessairement, et c'est le data pipeline. Quand on fait les lambda et quand on fait un map, c'est ça. En fait, c'est pas nous qui faisons l'itération. C'est le compilateur qui va se démerder pour générer l'itération, ou c'est le runtime qui va appeler, en fait, notre fonction. Mais c'est pas nous qui faisons l'itération. Nous, on donne juste la recette de cuisine de l'itération. Et ça, c'est hyper important à comprendre, c'est qu'il vaut mieux donner une recette de cuisine atomique claire plutôt que faire soi-même l'itération, parce qu'elle sera nécessairement plus optimisée si elle est faite de l'extérieur sur l'appel. Et c'est ça qui donne des data pipelines. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des technologies du style RatPack, Reactor, AkaStream? AkaStream, c'est une tuerie, par exemple. On s'en sert pas mal chez Clever. C'est pas mal parce que, en fait, tu définis, j'ai des data qui arrivent par une source. Ensuite, tu fais des flèches vers des trucs qui sont fondamentalement, on appelle ça des flows, mais c'est un type algébrique, en fait, pour encapsuler une fonction avec des types un peu carrés dedans. Et tu peux même dire, genre, là, je duplique ma donnée, je l'envoie en deux trucs avec des, et en fait, tu codes avec des flèches, tu fais des tildes de chevrons pour coder. Enfin, t'as aussi des mots, hein, pour le faire, mais moi, j'aime bien faire les tildes chevrons, ça m'amuse. Et en fait, tu vas distribuer ta donnée comme ça, et en fait, tu sais que c'est distribué sur un cluster de traitement AK. Mais en fait, t'as aucune putain d'idée de comment c'est géré. Et nous, on s'en sert, par exemple, tous les logs qui vous sont livrés en temps réel sur Clever. Quand on vous livre des logs en temps réel sur Clever, quand vous êtes dans Clever Cloud et que vous voyez tous les logs apparaître, en fait, l'ensemble des logs sont balancés dans RabbitMQ, et c'est dans RabbitMQ qu'ils vont être polés par des trucs, enfin, qui vont être récupérés comme événements, et ensuite qui sont distribués, envoyés au bon WebSocket en fonction d'eux, etc., filtrés, décompactés du format de log standard pour l'envoyer dans un format JSON, affichage dans la console ou dans la CLI, etc. Et vous avez, en fait, tout ce process-là qui se distribue, en fait, tout à fait bien sur des centaines d'acteurs, et en fait, on n'a aucune notion de la complexité de la distribution de ce process-là. Nous, on a juste donné une série de recettes de cuisine et la recette de cuisine se fait. Donc là, je vous parlais d'immutabilité dans votre code. Et j'exprimais en fait les points où ça peut être extrêmement intéressant. Et au-delà de faire du Scala, au-delà de faire du etc., vous pouvez en faire dans du Java demain et commencer à travailler avec de l'immutabilité comme ça. Mais on peut très bien parler d'immutabilité en tant que pattern. Et quand on parle d'immutabilité en tant que pattern, j'aimerais vous parler de l'infrastructure. Dans le cas de l'infrastructure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le coût des serveurs chute complètement. Il y a même un an et des bananes, à Google I.O., Larry Page a dit « Race to zero, bientôt le serveur sera gratuit ». J'adore quand les mecs de Google disent ce genre de trucs, on sait tous que c'est faux, mais tout le monde reprend la news. Et maintenant, enfin cool, vous avez un serveur quoi. Mais j'ai un serveur, la vie est belle, c'est cool, j'ai une grosse calculette quoi. Mais en fait, l'hébergement, c'est pas ça. L'hébergement, c'est la gestion des backups, les updates, l'assertif, l'agreement, le process, etc. S'assurer que le serveur, il est là, qu'il y a du monitoring, la sécurité, provisionner les bonnes machines au bon moment, etc. Et en fait, tout ça, c'est ce que font les ops sur un serveur, en fait. Et c'est ce moment, en fait, où on crée l'histoire. Enfin, un mec, il se SSH à une machine, il dit, vas-y, je vais installer Apache, il installe Apache, ensuite, il fait un git pull du code, il compile avec Maven, ensuite il fait un asadmin deploy tagada soin et vous avez créé l'histoire. Et du coup tu te retrouves avec un besoin complètement monumental de documentation puisqu'en fait personne ne sait comment marche ce truc. Du coup bah, la tentation de faire du spécifique est extrêmement forte. Tu te retrouves avec du spécifique de partout, des mecs qui te disent bah, écoute il n'y a pas de problème, on va faire du spécifique. Donc, t'avais un problème dans le fichier de conf, vas-y, je vais l'éditer direct sur le serveur, je le backup nulle part, c'est documenté nulle part. Ce qui donne que derrière, quand tu passes, tu te rends compte que les IP qui étaient référencés dans la doc pour tel cluster, en fait, ne sont plus en prod depuis au bas mot 3 ans, tu vois. Et quand toi, tu débarques parce que c'est toi qui es astreinte, bah, tu pleures. Tu pleures juste parce que tu sais pas sur quelle machine chercher. Moi, de manière générale, j'ai un problème avec tout ce qui est tailor-made en ops. Les mecs qui t'expliquent, ouais, mais tu comprends, ça fait 15 ans qu'on fait de l'ops, on sait ce qu'on fait, on a des bonhommes qui font ça. Oui. Et du coup, tu fais comment? T'expliques aux mecs qui produisent l'électricité, ouais, tu comprends, moi j'ai besoin en 63 volts continu. Toute ma chaîne de production est comme ça.
Moi, je me vois bien acheter une bouilloire à 15 balles chez Carrefour, et ensuite aller voir un mec pour qu'il me dise, serait bien que tu me l'ajustes pour qu'elle fasse du 47 volts alternatif, parce que c'est comme ça qu'est gérée l'électricité chez moi. Fondamentalement, c'est la relation éditeur-intégrateur aujourd'hui dans l'informatique. Hein. Enfin, admettons, les gars, moi, j'avoue que je comprends pas, mais voilà. Parce que ça, c'est pas capable de scale. Pourquoi c'est pas capable de scale? Parce qu'il faut créer de l'histoire. Si tu crées de l'histoire, bah, c'est pas capable de scale. C'est pas capable de le TaylorMade, ça scale pas en fait. Enfin, tu peux pas créer des trucs où tout le monde est comme ça. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut des points d'ancrage qui sont des points d'ancrage de normalisation. La normalisation, c'est pas mal, c'est bien en fait. Ça crée des points où tout le monde est d'accord. Le 220 volts alternatif avec cette prise qu'on a qui est un peu marrante là. Bah, c'est quand même vachement pratique. Imaginez si on devait faire ajuster chaque putain de machine électrique qu'on achète. Enfin, ce serait un cauchemar. Il n'y aurait jamais de truc qui serait rentable. Imaginez le chauffetasse USB, ce qu'on est obligé de fine-tuner à chaque fois avant de le mettre. Personne n'aurait de chauffetasse USB. Qu'est-ce que serait le monde sans chauffetasse USB? Encore une fois, donc notre objectif va être de ne pas créer d'histoire. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, si on avait des serveurs qui étaient éphémères. Et en fait, cette notion-là, elle est recoupée derrière quelque chose qu'on appelle immutable infrastructure. Et l'immutable infrastructure, c'est de dire, on ne va jamais SSH sur une machine, et on ne peut pas modifier un serveur. En fait, il n'y a qu'un seul process, build. C'est-à-dire, je démarre la machine, je démarre les services qui sont censés démarrer dessus, et à partir de ce moment-là, je m'enregistre comme étant fonctionnel. Et là, voilà, je dis juste, genre, voilà, j'ai fait mon build, j'ai fait démarrer mes services sont fonctionnels, je m'enregistre, et à partir de ce moment-là, maintenant que j'y suis, je suis live. Une seconde trop tôt de ma part, désolé. Et ensuite, ces machines-là, elles vivent sans data. Elles font leur game, elles font leur vie, on n'a plus besoin de les toucher, quoi. Enfin, elles sont en train de vivre, et personne ne va les toucher, personne ne va les déranger, il n'y a surtout pas un putain d'humain qui va se balader sur la prod. Et maintenant, imaginons que j'ai mon application qui tourne en version 1, elle tourne sur sa machine. Imaginons que maintenant j'ai une version 2 de l'application qui start. Est-ce que je vais mettre la machine à jour? Non, surtout pas, malheureux. Je vais démarrer une nouvelle machine, mettre la version 2 dessus en prod, checker que ça fonctionne, rediriger le flux, tuer la version 1. Et du coup, c'est exactement ça. Genre, on va tuer... Dès qu'il y a une nouvelle version qui est là, hop, on dégage le truc, fin de l'histoire. Et on dégage des trucs dont on n'a plus besoin. En vrai, j'adorais ce film. J'étais hyper frustré quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas sur Netflix. Du coup, j'ai regardé Le Bossu de Notre-Dame. Du coup, ça c'est hyper important, en fait. L'idée, c'est que on va faire vivre des instances pendant des moments très courts. L'immutabilité, en fait, ça ne marche que ça. Ça ne marche que sur des trucs qui vont vivre pendant des endroits précis. En fait, on a un pointeur vers un truc qu'on sait qu'il changera jamais. Et quand on a plus besoin, on le dégage. C'est des éphémérales copies. Alors, vous allez me dire, oui, non, t'es bien gentil, mais dans le cas d'immutable infrastructure, comment tu gères les datas? Encore une fois, dans ces cas-là, on va splitter la data et le process. Le runtime, il fait le run, et la data, il fait la data. La première chose, c'est si vous pouviez éviter de jouer trop avec le file system, ça nous arrangerait tous. Rapport au fait qu'un file system, c'est POSIX, et que le POSIX est globalement acide, et donc que du coup, vous aurez toujours un bottleneck dans le traitement du file system. Le file system qui scale à l'infini, qui est partagé partout et qui a des temps d'accès records, c'est une licorne. Licorne, c'est cool, ça chie des glaces, mais ça n'existe pas. Et du coup... Quoi? Tu devrais faire ton one-man show. C'est con, un certain nombre de trucs. À chaque fois, je trouve des nouvelles blagues, je les note, en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous avez de la data, vous allez toujours essayer d'y accéder d'une façon centralisée. Notamment ce qu'on appelle le block storage. Le block storage, c'est cette capacité à monter un disque dur distant, il peut être virtuel. Quand on dit monter un disque dur, c'est pas nécessairement monter un disque dur physique, ça peut être un truc qui se comporte comme un disque dur, qui en fait lui-même est répliqué sur plusieurs disques durs. En général, c'est ce qui se passe, et lui-même est un système de cluster, etc. Enfin, ça peut devenir assez compliqué. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de techno comme ISCSI, ISCSI, Ceph? Ceph, c'est la techno Prometheus dans ce domaine-là. Le truc open source et tout... C'est bien, Ceph. Si vous avez des projets en Ceph, c'est bien.
va bien se passer. Ou sinon, ça va être tous les trucs basés sur du SAN, tu vois, avec des storage area network, où vous avez des technologies propriétaires qui vont vous coûter une burne, mais qui ont des fois des temps de réponse, des qualifications, enfin des trucs qui sont vraiment très bien, mais qui sont en général propriétaires et qui coûtent cher. Et donc ça va être répliqué. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous avez un runtime qui va fonctionner, et vous allez juste monter le dossier de data là-dedans. Donc par exemple, vous lancez une PostgreSQL, vous avez un bloc device qui va juste monter les data à l'intérieur, et vous avez le runtime du PostgreSQL qui va lui être extérieur et qui va juste monter ce truc-là. Et quand tu mets à jour PostgreSQL, bah tu copies ta data, tu fais ta migration de chemin chelou de data à l'intérieur, et dès que tu as validé que ça marchait, bah tu peux buter l'ancienne chaîne. Mais c'est comme ça que tu vas fonctionner. Tu vas essayer toujours de monter par échelle. Après, il y a plein de technologies pour faire ça. Enfin, le problème n'est pas de savoir quelle technologie vous allez employer. Vous pouvez essayer de faire ça avec des Docker volumes, tout comme vous pouvez faire ça avec des virtual machines. Juste un point pour être clair. Chez Clever, on n'utilise pas de containers pour ce genre de choses. On n'utilise que des machines virtuelles, mais on a des machines virtuelles qui bootent en 6 secondes. C'est pour ça que ça marche. Et du coup, on est sûr, en fait, c'est un problème d'isolation processeur. Je vous renvoie, il y a un talk que je donne qui est sur YouTube qui explique la vraie différence entre la virtualisation et les containers. Mais vous avez plein de technologies pour faire ça. Faut pas vous limiter. Ce qui est important, c'est surtout de dégager la différence entre du runtime et de la data et vous démerder pour que la data soit protégée dans un truc et que le runtime puisse évoluer et être dans un système éphémère. Et grâce à ça, vous avez une hosting factory qui est complètement automatisée et qui fonctionne. Et là-dessus, et je tiens à le répéter, la production, c'est quelque chose qui doit être parfait. C'est-à-dire que la production, normalement, il n'y a pas de downtime. Par contre, il faut être clair, les gens ne sont pas parfaits, l'humain n'est pas parfait, ça fait partie de la définition de l'humanité, ce qui signifie que les gens n'ont rien à foutre sur de la prod. Un humain sur de la prod, moi, ça m'angoisse. C'est vrai, hein, je trouve ça extrêmement angoissant. En fait, pour être tout à fait clair, chez Clever Cloud, une SSH connection entrante sur une machine virtuelle, ça génère une red alert. C'est-à-dire qu'il y a un putain de user sur la prod, il y a un problème. Enfin, quand on dit un putain de user, c'est nous, en fait, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons SSH les machines, mais c'est pourquoi. Et en fait, c'est marqué dans la machine. Il y a un humain qui est passé sur cette machine, à rebooter au plus tôt, c'est probablement de la merde. Enfin, elle est empoisonnée par l'humanité, si vous préférez. Pourquoi c'est super intéressant, quoi? Pourquoi c'est super intéressant? Parce qu'une instance, elle est vivante ou elle est morte, et c'est tout. Vous avez une application qui a planté. Ok, pas grave, vous redéployez une nouvelle instance. Vous avez besoin de mettre à jour le système d'opération qui est en dessous de votre application. No problème, vous redéployez une nouvelle instance. Si jamais vous avez besoin de changer l'allocation de hardware parce que vous avez une machine que vous voulez arrêter pour faire une maintenance, je sais pas, sur les ventilateurs, et du coup vous avez besoin de ça, bah vous redéployez une nouvelle instance tout en disant à cette machine-là d'arrêter de prendre des nouvelles instances. Vous redéployez toutes les applications qu'il y a dessus, et puis voilà, il n'y aura pas de downtime, whatever, on s'en fout. Vous savez que l'application a une possibilité de planter parce que vous faites du machine learning sur ses logs et ses monitoring. Mais c'est pas grave, vous redéployez une nouvelle instance. En fait, vous voyez, j'ai toujours la même réponse. Ça fait des schémas de raisonnement qui sont simples. Il n'y a pas d'histoire, c'est toujours la même chose. Voilà, et ça, les schémas de raisonnement simples, c'est cool. C'est facile à analyser. C'est la même chose que les quand on parle de microservices dans le bon sens du terme. C'est planquer un bug dans 100 lignes de code, c'est compliqué. C'est cette idée-là. Par contre, encore une fois, ça doit être statelessness. C'est-à-dire que si vous avez de la donnée qui vit en RAM, de chaque instance, là vous avez un problème pour faire de l'immutable infrastructure. C'est-à-dire que si chaque instance est intéressante, vous avez un problème. De toute façon, c'est très simple. Si vous avez besoin de sticky session, c'est que vous êtes en train de faire de la merde. Par ailleurs, vous pouvez avoir des sticky sessions sur Clever Cloud, hein, c'est une case à cocher. On vous dit de pas le faire, mais vous pouvez le faire. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'êtes plus bindé à un serveur. Vous avez plus, vous créez juste des factories d'instances où vous en créez, vous en détruisez tout le temps et en permanence. Vous créez une espèce de grosse machine à créer et détruire des instances. Et par contre, vous êtes consistant et prédictible. Ça, c'est le truc qui est le plus important, être consistant et prédictible. Par exemple, moi, une machine qui a plus de 7 jours, je commence à m'inquiéter. C'est bizarre.
machine virtuelle qui a plus de 7 jours chez nous d'uptime, c'est compliqué. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre avoir un service qui a un uptime et un serveur qui a un uptime. Le service qui a un uptime, c'est que l'utilisateur peut s'en servir. Le serveur qui a un uptime, c'est une histoire de gros kiki d'administ système avec une espèce de contest des gens qui sont là, genre c'est la compétition de qui a le plus gros uptime. Moi, je suis désolé, quand on m'annonce « Non, mais c'est génial, on a un serveur qui a 13 ans d'uptime », je suis là, genre « Mais les mecs, vous êtes des malades, qu'est-ce qui va se passer le jour où on va le rebooter ?» Je sais pas, on va déchirer l'espace-temps, on va absorber toute la galaxie dedans, mais le mec qui a booté le machin, il bosse plus dans la boîte. Si ça se trouve, il a lancé une commande au démarrage, c'est de la folie furieuse. Vous savez que le jour où ça va planter, vous allez être très emmerdé, quoi. Et donc voilà, si vous pouvez ne plus avoir ce genre de cas, essayez vraiment de dissocier cette notion service uptime, server uptime, parce que c'est plus du tout la même chose. Donc là, c'était les patterns dédiés à l'infrastructure, mais maintenant, prenons encore un autre point. Est-ce que sur la donnée, on peut appliquer la vision immutable, donc faire des bases de données immuables? En fait, ok, il y a de la musique sur cette vidéo. Je suis désolé. NoSQL, c'est quoi? NoSQL, c'est le moment où en fait on a de la place sur les disques durs et on dit on va tout stocker. La question quand vous êtes sur LinkedIn, est-ce que la question qui est réellement intéressante est de savoir si vous bossez dans la boîte X ou de savoir si vous avez bossé dans la boîte X, puis la boîte X, puis la boîte X, quand est-ce que vous avez livé, quand est-ce que vous avez commencé, quand est-ce que vous avez modifié votre profil? Est-ce qu'en fait vous modifiez toujours votre profil à 18h ou est-ce que vous êtes en train de modifier votre profil à 15h? Parce que quand t'es en train de mettre à jour ton profil à 15h en semaine, c'est que t'es en train de chercher un job. Parce que manifestement, tu t'englandes, tu vois, genre. C'est des tonnes de petites données comme ça, en fait. Et le stockage de tout, ça veut dire qu'on va arrêter avec les deletes et les updates. Mais attends, si on arrête avec les deletes et les updates, qu'on fait plus que des create, mais la donnée est immuable, est immutable, mais c'est génial. Est-ce que vous avez déjà entendu l'acronyme CQRS? L'acronyme CQRS, que je ne citerai pas de mémoire parce que je ne vais pas y arriver, c'est cette notion-là. En fait, vous avez un flux événementiel de données immuables que vous allez mettre les unes derrière les autres et ensuite vous allez prendre des snapshots à un instant donné d'une image du monde. Ce qui est, si on réfléchit un tout petit peu à ce... Enfin, c'était la discussion que j'avais hier soir avec Kick Pepperdine qui a un vrai problème avec l'immutabilité et qui me disait « Oui, mais le monde est mutual, le monde est mutable, deal with it. » Je suis complètement d'accord avec ça. Le monde est mutable. Par contre... Si vous regardez comment fonctionne l'espace-temps, en fait, vous avez une série de choses qui ont lieu dans le temps qui sont, elles, immutables, puisque le temps est immutable. Vous avez des snapshots de choses qui vont dans le temps et qui sont immutables. Et chaque étape est immutable. Et en fait, CQRS, c'est ça. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, CQRS, c'est comme ça que fonctionne une PostgreSQL, c'est comme ça que fonctionne une MySQL, c'est comme ça qu'aimerait fonctionner une MongoDB. CQRS, c'est ça, en fait. C'est cette capacité, en fait, à en permanence avoir le flux d'événements et à mettre à jour un état applicatif. Donc, vous pouvez soit l'employer dans quelque chose qu'il prépackage, et vous faites du PG, du machin, et du GraphDB, vous faites ce que vous voulez, soit, dans certains cas, vous avez en fait besoin d'y accéder. Je me souviendrai toujours, on a fait un projet qui était génial, où on implémentait globalement, enfin, c'est super amusé, je veux pas dire par là qu'on était génial, on s'est vraiment marré à faire ce projet-là. C'était un projet où on implémentait un système de fichiers, en fait, toute la base de données est immuable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on créait une référence, on créait une référence avec le hash de ce qu'on était en train de créer, et on faisait un lien vers ce hash. En fait, la base de données est immuable, et en fait, les versions sont toujours liées entre elles. Et oui, la base de données va grossir et grossir et grossir et grossir, mais on s'en fout, elle est distribuée sur un cluster React. Avant qu'on ait un problème sur le cluster React, sur de la metadata, il va s'écouler du temps. Et en fait, tu fais grossir ta base de données, et tu parcours ton arbre, et en fait, ton arbre, en partant de maintenant, bah, réflectivement, va représenter l'état du monde maintenant. Ce qui est très amusant, c'est que si tu continues tes empilations d'état immeuble du monde, mais que tu parcours ton arbre d'avant, en fait, tu vas continuer à parcourir l'état du monde d'il y a 10 secondes. Et comme ça, tu n'auras pas de brisure, puisque tout est immuable. Tu n'auras pas ce moment bizarre où tu ne sais pas si tu accèdes à de la donnée ou pas. Et c'est également comme ça que va fonctionner du copy and write. Copy and write, c'est ça. Si vous prenez BetterFS, BetterFS qui, par ailleurs, est un truc génial qui arrive dans Linux, et si vous ne savez pas ce que c'est, allez lire ce qui est en train de se produire dans les systèmes de fichiers Linux, vous avez BetterFS, vous êtes capable d'avoir un système de fichiers qui vit,
Et à chaque fois que vous faites une modif, donc vous dites genre tout le monde pointe sur ce statut de fichier, et en fait quand vous faites une modif, vous n'écrivez que le patch en fait, que la différence, que le point sur le disque dur, ce qui est absolument complètement génial. Imaginez, je copie un fichier de 10 gigas, j'ai 10 gigas de fichier, ok? Je copie un fichier de 10 gigas de 1 à Z, je vais modifier une bit à l'intérieur, et ben au lieu d'avoir 2 fois 10 gigas, donc 20 gigas de prix sur ma machine, j'ai 10 gigas plus une bit. Ouais, un bit. Ouais. C'était peut-être un film. C'est le dernier slot de la journée, hein. Mais du coup, en fait, ça va être super intéressant ce genre de modèle, et on peut l'agir dans la data. Et en fait, vous l'utilisez tous les jours. Git fonctionne fondamentalement comme ça. Dans Git, on ne réécrit pas l'histoire. Dans Git, on ne fait qu'avancer l'histoire, écrire des patchs. Et même quand vous faites un revert, vous écrivez en fait le contraire de ce que vous avez écrit à un autre moment, mais vous le réécrivez au-dessus de tout. Donc ce que vous avez fait s'est produit, puis a été annulé par son exact contraire et son antithèse. Mais vous n'avez pas supprimé l'histoire, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas modifié l'histoire. Tout a été une histoire proprement écrite, et fondamentalement, on peut considérer Git comme une base de données immuable. Essayons de réfléchir deux secondes. Donc je vous ai parlé d'immutabilité dans tous les sens. J'espère que ça vous avait convaincu soit d'essayer des langages de programmation fonctionnelle, soit d'essayer de jamais plus utiliser update et delete dans une base de données pour jouer, de croire en l'immutable infrastructure qui est à mon avis la seule solution scalable de gérer une infrastructure aujourd'hui. Peut-être juste de tester les parties lambda et l'API de collection stream de Java 8. Rappelez-vous toujours, le but de l'immutabilité va être... Pourquoi t'es en plein écran, toi? J'ai des problèmes avec les vidéos sur cette presse. Donc le but de l'immutabilité, ça va être, on ne délète jamais rien, on clone en permanence, peut-être des cloneries éphémères, mais anyway, c'est ça. On est stateless, donc on n'a pas d'état, et on lock tout dans un event stream qu'on va utiliser au quotidien. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je suis complètement disponible pour vos questions. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris un truc ou est-ce que je vous ai juste brainwashé pendant 2 heures? Enfin, 40 minutes. C'est cool? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de JGroups? Je l'utilise tous les jours. Alors, ce que je pense de JGroups, je répète pour la vidéo. Ce que je pense de JGroups, je pense pas grand-chose de JGroups parce que je m'en suis jamais vraiment servi et du coup je vais parler d'un truc que je connais pas. Du coup, désolé, j'ai pas de je sais pas m'en servir en fait. Je me suis jamais trouvé dans la situation d'en servir. Je me suis toujours démerdé pour passer par un store système. Toutes mes sessions, je me suis toujours démerdé pour les coller dans une base de données en RAM qui faisait le taf quoi. J'ai jamais eu à setup ce truc. En fait, j'ai ouvert la doc, ça avait l'air compliqué, j'ai trouvé une autre solution. Ouais. Donc tout à fait ce que tu disais, les langages comme Rust qui résolvent une partie du problème. Dans la salle, qui connaît Rust? Ok, donc d'abord, ce qu'est Rust? Rust est un langage de programmation extrêmement bas niveau, qui a été conçu, enfin qui est un projet qui a été récupéré par Samsung et Mozilla, qu'on signé en fait un partenariat ensemble pour réécrire de A à Z un moteur de rendu moderne, capable de fonctionner notamment sur des devices beaucoup plus petits, donc des téléphones portables, et conçu de base avec de nouvelles technologies et notamment la concurrence. Parce qu'en fait, les moteurs de rendu sont des pièces de code très vieilles avec des morceaux de code qui datent de 6 milliards d'années et qui, dont des fois, enfin, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller nager dans certaines parties troubles des moteurs de rendu, que ce soit chez WebKit ou chez Firefox. Hein, c'est pas du tout le point. Ils ont donc décidé de A à Z de réécrire un moteur de rendu. Et pour ça, ils se sont posés la question, comment on fait? Donc, on peut faire du C++, ce qu'on a déjà fait. Le problème, c'est que la concurrence est hyper chiante, que ça nous pose des problèmes de gestion de la mémoire, qu'on a des problèmes de sécurité. Et donc, en fait, ils ont réfléchi à quel langage pourrait faire ça. Ils sont tombés sur Rust, et Rust est un langage de programmation qui donc se passe
en concurrence du C. Les gens mettent souvent Go et Rust en concurrence, ce qui est complètement faux. Go est un langage d'assez haut niveau, où il y a un runtime, il y a un garbage collector, il y a des tas de trucs. Enfin, Go, c'est assez loin, en fait, de ce qui se passe dans la machine. Rust, c'est un concurrent de C, C++. Hein. C'est les endroits que vous auriez fait en C, vous les faites en Rust à la place. Donc effectivement, tu as de l'immutabilité dedans, tu as une partie des paramètres fonctionnels, pas tout, parce que des fois tu as besoin pour de la perf de parler directement au registre mémoire du CPU et de faire des trucs complètement mutables, et ce sont pas des gens fous et ils savent parfaitement. Et effectivement, Rust résout une partie non négligeable de ces problèmes-là avec des patterns. Ça a des perfs extrêmement impressionnantes et ça a une safety qui est, enfin voilà, c'est, moi je suis très très fan quoi. Nous, on l'utilise à Clever Cloud et on se prépare à réaliser des morceaux de code non négligeables. On a déjà release un truc qui s'appelle Nom, qui est un parseur combinator écrit en Rust qu'on avait, enfin que Geoffroy Coupry, c'est Geoffroy Coupry chez nous qui fait ce projet-là. Il a écrit une thèse, il en a parlé à Strange Loop, Langsec et tout. Enfin, c'est un truc qui dans le milieu des langages fait un peu de bruit, Nom. Et c'est très intéressant parce que ça te permet de faire des parseurs safe. Et il a écrit à la base pour réécrire le parseur MP4 de VLC. Il faut savoir que MP4 est un format à la con, et donc du coup tu te prends, enfin c'est les grosses failles de sécurité de VLC, c'est comment réussir à faire exécuter du binaire en fait au parseur MP4 de VLC. Et du coup tout le concept de Nom a été d'écrire des parseurs qui étaient du coup safely typed. Et Rust est passionnant. Enfin, si vous avez du temps à travailler sur un sujet que vous connaissez pas du tout, regardez Rust. En plus, le How to Rust, le bouquin qu'a écrit Steve sur le sujet est vraiment, vraiment cool et il est sur le net. Ouais. Comment t'expliques les problèmes de langage type Erlang, ou pas faire C, comme Java, Donc la question c'est comment j'explique que certains langages n'aient pas percé? Comme Erlang par exemple. Alors Erlang par exemple, moi c'est un langage que je kiffe énormément. D'abord, faut savoir qu'un cluster OTP à casser, c'est vraiment, enfin, cluster OTP bien lancé, bien programmé, casser une dynamique OTP, c'est très compliqué. Ça tient vraiment bien la charge. Ça a été pensé au démarrage pour faire de la téléphonie Erlang. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas joué en faveur d'Erlang. La première chose, c'est que au démarrage, la librairie standard était extrêmement réduite parce que c'était Sony Ericsson qui se faisait un truc pour faire de la téléphonie. Ensuite, la syntaxe est quand même un brin chelou. Il y a des points et des virgules un peu partout, héritage de Prolog que tu te poses un peu des questions de pourquoi. Ça veut pas dire que c'est mal. En fait, une fois que tu as compris le langage, tu comprends pourquoi ils sont là. Mais la syntaxe est un peu compliquée à comprendre. Au moment où Erlang aurait pu percer, c'était le moment où tout le monde faisait de l'orienté objet. Or, l'orienté objet a besoin de signer une version de ton truc. Et il y a une fonctionnalité extraordinaire dans OTP, c'est qu'OTP est capable de faire un déploiement. Vous avez votre application en version 1 qui tourne, vous êtes capable de mettre à jour la version 1 vers la version 2 de votre application dans la plateforme d'OTP sans jamais rien arrêter. Notamment si vous aviez des connexions sockets ouvertes et tout, vous n'avez rien coupé. C'est vraiment du live de mise à jour. Et en fait, pour faire ça, ils peuvent pas être objets. Ils ont besoin d'avoir uniquement des protocoles où en fait tu signes tes objets en te servant de symboles. Enfin, c'est un tout petit peu compliqué à comprendre. Et en fait, au moment où Erlang aurait pu percer, tout le monde était à fond sur la PO. Et c'est vrai que du coup, Erlang était mais complètement à l'ouest sur cette notion-là. Donc, je pense que tu vois, c'est un mix de tout ça et c'était compliqué. Et puis en plus, ça répond à des problématiques qui sont un brin. Enfin, voilà, faut avoir les problématiques de faire du Erlang pour faire du Erlang. Par contre, Erlang a percé sur ces bons trucs. Enfin, RabbitMQ est une pièce de code qui est utilisée par beaucoup de gens et qui marche très très bien et qui est super cool. React, pareil. Enfin, il y a des trucs qui sont faits en Erlang. Ces trucs-là marchent. Enfin, tous les serveurs Jabber et IRC qui tournent sur Erlang, ça tourne très bien. Et centraux téléphoniques, ça tourne. Pour autant, c'est pas grand public, oui, mais d'un autre côté, tu regardes aujourd'hui le corpus de librairies disponibles dans Erlang et tu essayes d'écrire une application de gestion avec, bah, tu vas te faire vraiment chier, quoi. Tu vois, enfin, faut vraiment tout réécrire, quoi. Et je pense que ça a été le point de décision. La productivité en Erlang, enfin, pour l'instant, c'est pas ça, quoi. Ouais. Extrêmement bonne question. Pourquoi est-ce que le cœur de Clever repose sur RabbitMQ et non Kafka? Alors, dans le cas du traitement des logs, c'est moins justifié que dans le reste. J'explique pourquoi le cœur a été fait en RabbitMQ. D'abord, parce que quand j'ai sélectionné RabbitMQ il y a maintenant 6 ans dans l'architecture, Kafka n'était pas ce que Kafka est aujourd'hui. Ensuite, parce que RabbitMQ, en tant qu'ops, c'est un vrai plaisir.
On a eu 3 incidents de production en 6 ans, ce qui est ridicule pour le cœur du système. Surtout que c'est quelque chose qui prend vraiment beaucoup de messages à la seconde, donc c'est vraiment cool. Donc, en tant qu'ops, c'est un vrai plaisir. La seconde chose, c'est que nous, on parle à notre HabitMQ depuis du C, depuis du Go, depuis du Ruby, depuis du Node, depuis du Java, depuis du Scala. Bref, on a vraiment une très très large palette de langages qui viennent taper dans le Rabbit. Et c'est en train de se finir, en fait, la compatibilité de clients sur Kafka. Et aujourd'hui, c'est cool quand tu viens de la JVM, quand tu veux parler à Kafka, mais quand t'as d'autres choses à faire, c'est pas nécessairement très cool. Et il y a 2-3 fonctionnalités de RabbitMQ que Kafka n'a pas. Kafka a un truc qui est génial. Il a un throughput de messages qui explose celui de RabbitMQ. Il y a aucun problème avec ça. Mais par exemple, dans RabbitMQ, tu peux faire ce qu'on appelle de la fédération. Donc t'as un cluster qui tourne là, t'as un autre cluster qui tourne là, et tu vas partager qu'une partie. En fait, tu vas se faire comporter les 2 clusters comme un ensemble fédéré sur juste une partie de tes exchanges et tes queues, par exemple. Ça, c'est violemment génial. Tu peux pas faire ça dans Kafka. Ça n'a pas du tout été pensé comme ça. T'as des petites fonctionnalités comme ça. Enfin, je les détaille. J'ai un talk que je donne sur RabbitMQ qui est pareil sur YouTube où j'explique certaines fonctionnalités qui sont vraiment tueurs. En fait, les gens les mettent en comparaison, mais je trouve que c'est pas la même chose. D'ailleurs, Kafka a fait son entrée dans l'architecture de Clever Cloud récemment. Il se trouve que les logs ont été distribués dans Rabbit à cette époque-là, parce qu'il y avait déjà un cluster Rabbit qui marchait très bien et qu'on s'est dit qu'on allait juste lui charger la tronche. Mais on pourrait imaginer le jour où on aura un problème, les logs dégageront certainement dans Kafka, parce que ce sera probablement plus logique de les mettre dans Kafka. Pour autant, la coordination et l'orchestration de la plateforme qui aujourd'hui est faite en RabbitMQ, on est très satisfait. On n'aura jamais plus de 30 000 ordres de lancement de machines à la seconde sur un exchange. Je serais ravi de les avoir, hein, mais on est assez loin de ces chiffres-là. 30 000 ordres de lancement de machines à la seconde, c'est énorme. Et donc, du coup, bah, pour l'instant, on est très très bien dans Rabbit, quoi. Est-ce que j'ai répondu de façon satisfaisante à la question? Ok, cool. Une dernière question? Non, faut que je me tire. Une dernière. Non, pas de dernière? Ouais, ok. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur sticker Clever, j'en ai. Merci.